Bonjour YouTube, bienvenue pour cette troisième VOD de Chrono Trigger. J'espère que tu vas bien YouTube, que tu passes un bon moment, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon lundi, un bon mercredi, un bon jeudi, un bon vendredi, un bon samedi, un bon dimanche. Voilà, j'ai tout fait à peu près. Le son est atrocement fort par contre. C'est chiant en fait. Mais c'est pas grave. La dernière fois du coup YouTube, nous étions reviendus à notre, voilà c'est ça, à notre village natal slash temporalité de base. Et on avait des trucs à faire mais je sais plus quoi. Et la question c'est est-ce que j'ai pas un truc. J'ai rien qui m'indique la quête que je suis censé faire. Je sais plus, bon. Je propose un truc, c'est qu'on retourne au château. Alors pourquoi est-ce qu'on va retourner au château? Parce que je rappelle que la dernière fois non. Mais au tout début, à la base quand même, Marle, tout le monde pense qu'on l'a kidnappé. Parce que argument à la con, voilà. Kidnapping. Mais non, évidemment, hein, personne n'a kidnappé personne. Hein? Oh! Oh, y a une touche pour mettre en mode auto. C'est incroyable. Attendez. C'est une dinguerie. Donc là, ça veut dire que je rentre en combat, j'appuie sur Y et il va me faire le combat en auto. Oh bah incroyable. Bah c'est trop bien. Eh bah très bien. Eh bah parfait. On va donc pouvoir reprendre tranquillement notre aventure. Encore une fois, je sais pas où elle est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était que cette étoile au-dessus de... au-dessus de Lucas là? Peut-être de l'étourdissement. J'ai un peu mal à la nuque, veuillez m'excuser. On passe en auto, voilà, tranquille. Des petits combats easy, hein, donc. On va pas s'emmerder à les faire. Ah là 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 là. Nickel. Nickel chrome. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'il va donc bien pouvoir se passer si nous entrons dans le châtal? Votre Altesse, partons chrono, je ne... Ah d'accord, bon d'accord. Donc non. Mais là... Bah là-bas je peux pas y aller. Donc en fait je suis venu ici pour rien. Trop bien. Merde. Donc c'était pas là qu'il fallait que j'aille. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où c'est qu'il faudrait que j'aille? Lucas a suggéré de réutiliser la faille dans la fête foraine. Ah, peut-être. Je m'en souviens plus en fait. Mais peut-être. Une petite indication qui peut peut-être nous permettre d'éviter de tourner en rond pendant des heures. Donc j'accepte. J'accepte ce backseat. Pour éviter de tourner en rond pendant des plombes. La place de l'in. Enfin de l'in, mais bref. Alors, la faille du coup, elle était sur la place publique. Ici. Ah ben voilà. Ah oui d'accord, je peux les activer comme ça. Je te laisse chercher un peu tout seul pour pas te gâcher le jeu quand même. Ah oui évidemment. Ah oui le feu. Wow. Ah. Oh. Oh, attendez. Eh, mais attendez, la dernière fois, il y en avait pas là. Il y avait pas ça. Donc là, attendez, ça c'est quoi? Vous rendre à la place de Lynn. Donc ça c'est... ça c'est en moins 65 millions. C'est au Dôme de Prométhée en 2300. Ça c'est à Médina en l'an 1000, donc c'est là où on était avant. Et ça c'est... au Montrus en l'an 600. Ah c'est là où il y a le... c'est là où il y a le chevalier grenouille l'an 600 je crois. Wow. On va... oui, c'est ça. Cet essai. On va aller là. On va aller recruter le soldat grenouille. Non, attendez. Je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler que un des personnages actuellement dans mon équipe n'a pas de magie.
L'élément de la fille avec la queue de cheval est l'eau. Ah yes, trop bien. Voilà. Utiliser la magie. Trop cool. Non. D'ailleurs, merci. Si vous faites de nouveaux amis, venez me présenter. Parfait. Parfait, parfait. Alors, du coup, l'an 600. Donc, potentiellement, ouais, pour recruter sur grenouille, j'oublie comment il s'appelle. Sur Frog, je crois. Je crois que c'est Frog qui s'appelle. Frog qui veut dire grenouille en anglais, donc bon, en vrai. En vrai, il s'appelle grenouille, casse pas les couilles. Oh, là, ouais, je suis très fatigué en fait. Faut le savoir aussi. Parce que le stream d'hier s'est arrêté à quoi? À minuit, je crois. Et on a continué à faire des duels jusqu'à 3h, 3h, 4h du mat. Et j'ai très peu dormi donc. Parce que je suis parti à 8h donc je suis un peu fatigué. Oh tiens, qu'est-ce que Chrono a appris? J'ai pas vu. Ah mais il est vide, moi je les ai déjà ouverts. Je peux pas dire tourner une fois que tu auras recruté Frog. Oui bah oui du coup, évidemment. Enfin, à chaque fois que je recrute, un personnage, il faudrait que j'y retourne. Alors, forêt de Gardia. Oui c'était tard, c'était un peu tard. C'était un peu tard en effet. Bon après on s'est plutôt bien amusé. Bon encore une fois, je prends du recul sur la situation de ce stream. C'était pas un mauvais stream du tout. Qui va là? Oh c'est vous. bonjour vous... Ah. Au moins vous êtes bien amusé. Ouais. Et d'ailleurs attendez. Oh, est-ce que je vous la montre maintenant? Non mais il y a la VOD YouTube. Oh, je vous la montrerai à la fin du stream mais oh la vache. Eh, j'ai ouvert une petite display. Mais elle est où ils sont où le roi et la reine? Ils sont en train de copuler ou... Mais ils copulent où s'ils copulent? Parce que j'ai envie de leur parler. Puisque hier, du coup, j'ai ouvert une display de l'impact de la genèse. Boîte que je voulais m'ouvrir pour notamment me faire de... me récupérer des cartes de l'archétype Dritron et Live et Evil Jumelle. Et j'ai récupéré dans le lot... une collector's rare. Voilà, le phénix chevalier du cauchemar. Ils sont tous dans la merde là. Oh, j'ai honte d'être alité alors que le capitaine est sur le front. Ah, il y a la guerre. Sa majesté tient un bon, elle aussi, elle est courage. Ah oui, j'ai récupéré une collector's rare. Je suis trop content. Alors, un peu déçu parce que du coup ça a pris la place d'une ultra Dritron potentiellement. Parce que les autres cracks que j'ai eu c'était des Magistus. Et Magistus c'était le seul archétype dont j'avais rien à foutre. Ah non, j'ai pas fait la même connerie que toi. Je l'ai vu quasi de suite. Parce qu'en fait c'est surtout que j'ai eu deux phoenix dans le même booster. Puisque bah du coup un des deux phoenix était la collector's. Et je me suis dit comment ça se fait que j'ai deux phoenix dans le même booster. Et puis j'ai réalisé et ça a été slivé. Là c'est double slivé, elle est protégée. Je suis très très content de l'avoir. En plus, c'est même pas comme si je suis obligé de la jouer parce que Phoenix c'est une carte qui est hyper jouée. C'est pas comme si je suis obligé de mettre celle-là dans mes decks puisqu'en fait j'ai obtenu 6 autres Phoenix mais en rare cette fois-là. Donc la rareté qu'on a dans tout le booster, sauf à la fin où du coup c'est une super ou une ultra ou une collectors. Oh d'accord, ils sont vénères. Ou du coup voilà j'en ai eu 6 autres donc j'ai de quoi jouer avec, c'est cool. Enfin c'était une très très bonne ouverture en vrai, j'ai obtenu pas mal de trucs, je suis très content et on a fait pas mal de duels et tout. C'était sympa. Nos vivres sont épuisés, le ravitaillement en provenance du château n'est toujours pas arrivé. Je lui ai dit, les chevaliers d'élite ont chargé en formant une ligne défensive devant le héros. Peut-il vraiment vaincre l'armée du magistère lui tout seul? Ah ouais mais on peut pas aller le voir. Nous n'avons plus de vivres, ok donc faut trouver les vivres. Est-ce que les vivres ce serait... Ah putain. Mais... Ah oh, ça se contrôle comme de la merde, j'ai oublié. Sur la carte ça se contrôle pas facilement. Attends mais comment ça se fait que... Il y a des vivres qui sont censés venir depuis le château. Oh. Une gélule de force. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Me voilà assiégé. Oh terrible, oh non. Oh là là, me voilà attaqué, oh là là. Oh non. Ah. Donc une gélule de force, c'est quoi? Inventaire. Gélule de force.
Oh, trop bien, c'est des... Bah, c'est les graines de Dragon Quest, les objets... les objets type protéines, zinc de Pokémon, ouais d'accord. Augmente ta stat, ok. Oui, c'est un augmenteur de stat, nice. Ça c'est cool. Ça fait plaisir. Donc ici il y a rien. Mais où est donc passé ce ravitaillement? Peut-être au village, me diriez-vous? Vous auriez sûrement raison. On va tenter le village. Magasin. Techniquement, c'est du dopage. Oui, bon, c'est du dopage, mais bon. Voilà, tout ça, quoi. Ah, oh, ils vendent des trucs. Pistolet à pique. Un pistolet à bille, quoi. Putain, ils nous vendent. Tu sais, en fait, je suis sûr, c'est. C'est trop marrant. Ça me fait penser au pistolet à bille que tu récupères quand tu fais de la pêche au canard, quoi. N'importe quoi. Les trucs à 0,5 joules, là. 0,25 joules, même, je crois. Parce que 0,5, ça commence à faire mal, je crois. Et c'est compliqué de mettre ça entre les mains d'un gamin. Par contre, je peux pas te péter ton coffre, là. Non, je ne peux pas. Maison... Qu'est-ce que c'est? L'auberge de Truce. On dirait... Que le roi... La légende est apparue, alors nous n'avons plus rien à craindre, le héros de la légende. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? J'ai entendu que l'armée de magistère a vaincu notre première ligne et s'est arrangée jusqu'au pont. Oui, mais j'en viens du pont en fait. Le héros de la légende. Qui est lié au château. Je t'ai pas demandé mon roi. Non mais. Alors c'est bien marrant de me donner des infos et tout, mais j'en viens du château. Et il s'y passe pas grand chose. Alors peut-être que je peux aller dans ce bois là, je sais pas. Qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que là le pont ici passe définitivement rien. Pour pouvoir vaincre l'armée sans aide, j'ai du mal à l'avouer, mais le héros est notre seul espoir. Chevalier. Sort du héros. Chevalier. Je peux définitivement pas passer. Je te dis. Non, je pense que je peux le trouver en vrai. Je pense que c'est pas loin, ça doit être. Il y a une histoire de ravitaillement au château, je pense qu'il faut juste que je parle à quelqu'un de spécifique. Il y avait la cuisine tout à l'heure, donc c'est sûrement que ça vient de la cuisine en fait, le ravitaillement. C'était là ou c'était de l'autre côté la cuisine? Non, c'est de l'autre côté. Ouais, donc je pense que c'est pas là, ça va être côté cuisine, je pense, la cuisine. Alors... bonjour, le ravitaillement, s'il vous plaît. Moi, mon frère... Quoi, mon frère? Voilà ce qui arrive à ceux qui croient pouvoir défendre le royaume à eux seuls. Ah, voilà! Ça suffit. Jusqu'à... Quand t'obstineras-tu à envenimer cette querelle ridicule? Sois un homme. La ferme, tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, mais il est vénère, là, le mec. Mais calme ton cul, là. Ils sont tous des idiots. Oui. Non, mais je m'en fous. Arrêtez, chef cuisinier, son frère cherche l'occasion de se réconcilier. Je m'en fous, file-moi le ravitaillement. Mais Ah! Mais il va me le filer, sa merde! Faut que je pique les assiettes, faut que je... Faut peut-être que je parle au... Putain, oui, je suis con. Peut-être que je parle au gars, là, au... Attendez, ah! Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai trouvé. Apportez ceci. Jambon épicé. Et tenez, ça c'est pour vous. Gélule de force. Plus de force, merci. T'as un coffre dans la cuisine. Ah, j'ai pas vu. Et dites à cet imbécile que je ne lui pardonnerai pas s'il ne revient pas vivant. Oh, ce meunion. Une gélule de force en plus, quel plaisir.
Allez hop, chrono. 25 de force, quel plaisir. Il y avait un coffre dans la cuisine. Pourquoi je l'ai pas vu? Ah oui, là, putain. Ah oui, d'accord, mais la texture, ah oui, ok. Ouais, je l'avais pas vu du tout. Très bien, du coup, nous avons le jambon épicé à donner à l'intégralité de l'armée disposée sur le pont. Parfait. Farpait. Ok. Alors. Nous n'avons plus de vivres. Mais si! Voulez-vous donner les vivres? Bien sûr. Des vivres? Je vois, il m'a pardonné. Sœur Chrono, si je ne rentre pas bien de cette campagne, remerciez mon frère de ma part. Ah non, non, mais tu vas survivre en fait. Je vais aller boulot ces mecs. Que se passe-t-il? L'armée du magistère est passée à l'assaut, nous ne tiendrons pas plus longtemps. Ah capitaine, ne perdez... Enfin, pardon, excusez-moi. Ne perdez pas courage, nous devons repousser l'envahisseur. Il en va de notre honneur de chevalier royaux de Gardia. Mais nous avons essuyé de grosses pertes. Ceci est notre dernière ligne de défense. Nous devons tenir bon. À vos ordres. Je vais vous filer un coup de main, moi. Je vais les bolos, moi. Vas-y, viens. Viens que je te bolos, là. C'est qui ce mec qui vole, là? Je suis Vini, un des trois généraux du magistère. Malheureux ennemi de son excellence, Magus. Allez, mes enfants, éliminez-les. D'accord. Eh bien, c'est parti. Cinq. 12. D'accord. J'accepte. Ouh. Bah fais aura sur toi même en vrai. Ah, du dégât un peu plus. Non, j'aurais peut-être dû lui faire faire sur chrono en fait. Ah. Attendez. Cyclone enflammé et du coup aura sur chrono. Nice, ok. On est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il connaît la foudre. Il connaît la drefou. Je vais quand même lui faire un cyclone englané. Excusez-moi, un cyclone enflammé dans la gueule. Zéro. Ah, mais c'est fini. Ils sont plus forts que prévu. Viens là, je vais être bolos. Salaud. On dirait que je vous avais sous-estimé, mais ça n'arrivera plus. Ah. Tu ne vois pas les PV des ennemis? Absolument pas. Absolument pas. oui. J'ai pas plus d'arguments, on ne les voit pas. Pour le coup. Très bien. Fort bien. Alors je propose. Je peux pas faire un cyclone enflammé sur les trois, on est d'accord. Oh, glace du coup. Oh ouais, vas-y, fais glace. Oh. Oh. Incroyable du zboob. On va faire un petit cyclone d'or. Et toi, tu vas me faire un petit feu. Hop là, tout le monde est soigné. Incroyable. Tu devrais pourtant. Qu'est-ce que je devrais? J'ai pas suivi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, merde, putain, non, ça leur fait que dalle. J'ai zappé sur le coup. Je sais plus sur ce que je disais.
Attends, je vais tenter un foudre sur lui, un glace sur lui et un feu sur lui. Ok, ça ne lui fait rien, bah j'aurais pas dû. Tu vois les HP des ennemis, je viens de... Je les vois les HP des ennemis? Ah bon, où ça? Je suis aveugle? Je suis aveugle marne? Cette fois, vous n'irez pas plus loin, je vous l'assure! Si tu sous-estimes Chrono, tu le regretteras! Oh non, il va prendre tous ses mours, il va en faire un gros. Côté du nom quand il s'affiche. Allez, d'accord! Vas-y, mon abomination, écrase les ennemis du magistère! D'accord. Bah je vois pas la vie des ennemis moi, mais je suis peut-être aveugle hein. Parce que je vois les PV que je leur mets. Pourquoi il y avait écrit 54 en vert? Ah, j'ai compris. J'ai compris. Fais-moi foudre sur le haut toit. Tu me fais glace sur le haut et toi tu fais feu. Hein? Ah non, c'est les trucs de sort qui lui... Ah non, d'accord. Et là, si je fais feu en bas... C'est bon, d'accord, c'est ça. Donc glace en haut, feu en bas. Et je vais tenter foudre en bas. Ah bah non, j'ai plus de PM. Là, tu vas juste attaquer en bas. Donc on a dit glace en haut et feu en bas. Ok. Et on va peut-être faire un petit cyclone d'aura bientôt là. Ah bah non, je peux pas. Oh non, j'ai plus de PM nulle part. Oh non. Mais je crois que j'ai des éthers. Mort, mort, mort. Est-ce que cyclone d'aura... Ah. Ah. Avec une attaque normale pour voir. Je vais essayer, mais j'ai très mal géré là. Ah, j'ai tellement mal géré. Ah, j'ai si mal géré, quel enfer. Quoique, oh, attendez. Quoique, quoique, peut-être que ça va. Bien évidemment. Non. J'avoue, toi fais juste cyclone coupant en fait pour voir. Toi fais aura bah, sur Chrono, parce que je crois que c'est encore une fois celui qui est plus dans la merde. Et toi utilise un super éther sur toi-même. Mais du coup j'ai pas vu si Chrono lui a fait des dégâts. Ah, je suis mort. Chrono est mort. Non, il a vie. Oh, il vit. Il vit. Le survivant. Oh, le survivant. Incroyable. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? What? Je vais tenter l'onde somporifique, mais si ça marche... Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça peut pas marcher. Projette une puissante onde de choc. Vas-y, tente ça. D'accord. Très bien. Eh bien, nous n'allons pas refaire ça. Fais-moi juste un cyclone coupant sur lui.
Et toi, tu vas t'utiliser une super potion sur toi. Du coup, ça fait du dégât ou pas, les attaques normales? Ah oui, ça fait du dégât quand même, tout de même, tout de même. Tout de même. 96. Allez, on va le foutre bourrer là, il va mourir là. Allez, mur. Mur, pourriture communiste. Mais vas-tu donc mourir? Mais il me vole mes paix. Mais il est trop con. Incroyable. On l'a battu. Ah oui, du coup là on arrive de l'autre côté du pont en fait. Ah, incroyable. Grâce à vous, nous avons pu protéger le pont. Toutefois, nous n'arriverons pas à vaincre le magistère. Cela ne résoudra pas la situation. Ouais. Alors écoutez, moi déjà, je vais me soigner parce que j'en ai besoin en fait. Où est l'auberge là? Bonjour, je veux une chambre. Incroyable. Alors, nous voilà soignés. Désormais, nous allons donc pouvoir continuer. Pourquoi je suis passé par là? Eh bien, parfait. Donc là, on arrive de l'autre côté du pont. Ouais, ok. Ah! Qu'est-ce que tu me vends donc? Des potions, des panacées, du nectar d'Athéna. Relève un allié du coma, c'est pas le relève de la mort, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ou alors si. J'attends que vous me le dites dans le chat, je vais pas l'acheter. Mais en vrai, voilà. Si c'est ça, je vais peut-être m'en acheter. Auberge de San Dolino! D'accord. Je sais pas du tout où faut que j'aille, donc on va tenter là. Demeure de Fiona. Bonjour Fiona. Mon mari Marco n'est toujours pas rentré de la guerre. C'est dans cette forêt que nous avons grandi. Alors je veux au moins le protéger jusqu'à ce qu'il revienne. D'accord. Que les gens nous disent des choses. Tiens, tu sais quoi? Vas-y, gamin, tu dis un truc? On dit que je peux pas jouer dehors parce qu'il y a beaucoup de monstres près d'ici. Je m'ennuie. Alors, on raconte que le roi a été blessé. Est-ce vrai? Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans notre royaume? C'est fermé à clé! Très bien! Waouh! Il paraît que le magistère utilise la magie oubliée de l'Antiquité. Il dit qu'il s'agit de terribles sorts surpassants de loin ceux des monstres. Et bien, encore, chef. Putain, j'ai pas vu. Sir Cyrus, non, pas enfui en abandonnant notre royaume. Oula, l'histoire de fuite. Attention, attention les yeux. Ah oui, putain, bah oui, mais les textures de coffre, elles sont. En plus, c'est des super éthers, donc c'est trop bien. C'est trop bien. Auberge de Palpori. Ici, rien du tout. Ah si, la maison de Tarta. Bonjour Tarta. On dit que mon fiston est le héros. Ça doit être un de ces cas où notre Géline Pont Blanc... Hein? Noir Géline Pont Blanc œuf, hein? J'ai quand même du mal à y croire. Peut-être que le... Bah, être le père du héros, c'est pas mal du tout. très bien. Pas que mon petit-fils est le héros. Mon propre sang. Bien ouais, GG. GG well played. La maison du maire. La grotte située dans la montagne à l'est des monts Deladreux. Oh la vache. Je suis vraiment très fatigué, veuillez m'excuser. Elle me donne la chair de poule. Une information. À ne pas prendre à la légère puisque je sais où il faut que je me rende désormais.
ici. Faut que je passe par le... Faut que je passe par la forêt, c'est ça. Évidemment. Ça pouvait pas être aussi simple. Évidemment. Ah, la forêt aux grenouilles. Oh. Super potion. Putain, par contre, il y a un milliard de monstres. Une tente. Ouais. Ah, c'est à gauche, peut-être. Ah non. What? C'est tout? Mais non. Mais faites-moi rire. Merde. Waouh. Ils prennent étonnamment peu cher, les mobs. C'est chiant. C'est désagréable. C'est emmerdant. Mais what the fuck? Par contre, ils ont trop de vie, les machins, c'est chiant. Attendez, je vais les... Ouais, non, non, c'est mieux que ça fasse autour parce que... Pas spécialement envie de trop de consommer mes PM, en fait. Cela dit, ils sont bien relous. Ah bah lui, il prend tarif. Ils se butent entre eux. D'accord. Eh ben exceptionnel, d'accord. Bah ben, c'est bien. Au moins ça rend le combat plus facile. Voilà, parfait. Ça fait un petit peu d'XP, hein, on va pas non plus cracher dessus. Bon, ça veut dire donc qu'il n'y avait rien pas. Merde. Aïe 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 aïe, c'est reparti pour un combat de l'angoisse. Mais ne m'attaquez pas moi, attaquez les grenouilles. Aïe 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 aïe. Donc c'était vraiment pas par là? Mais du coup, elle est où cette grotte? Elle est peut-être... Ah, c'est peut-être sur le pan de montagne qui est au-dessus de la maison de Fiona. Peut-être. Peut-être, peut-être. On ira voir ça dès qu'on aura tué ces deux serpents. Qui sont un peu trop solides à mon goût. Vous avez John Mo? La rêve de gamer. Ok. Incroyable, incroyable, parfait. Alors, donc ça veut dire... T'as l'impression qu'il remue dans la forêt. C'est le truc que j'ai entendu juste avant de partir, là, c'est ça? Ah, c'est ce truc-là? Non, pas du tout. Attendez. Ah! Oh! Ah, trop bien! Putain, il s'appelait Grain, voilà, c'est ça. C'est toi, Chrono. Qu'y a-t-il? Serais-tu venu t'exercer à l'épée? Comment le roi a été blessé? Je vois. Il n'y a rien que je puisse faire, je suis désolé, laisse-moi seul. Je refuse. Je ne suis pas un héros, je ne peux rien faire. Mais il n'y a pas besoin d'être un héros, en fait. Suffit d'être soi-même. Ah, bah je t'ai volé un foulard magique. Et t'es sûr? D'accord. Bien joué la ref. Non mais voilà, je fais des références. Non mais... Oh, mais les combats chiants.
Aïe 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 aïe. En tout cas, très bonne musique. Très très bonne musique, on va pas se mentir. Ok. 118 PC, non XP pardon. Hop. Ah merde! Mais je l'ai même pas vu ma... Oh mais... Bon... Oh, ok, ok, ok. Bon, de toute façon, il va falloir que je retourne à l'auberge, quoi qu'il arrive, donc au point où j'en suis, on va presque utiliser les PM, en fait. Hein. Ouais, on va faire ça. Hein. Faisons comme ça, hein, ça ira plus vite, de hein, toute façon, enfin, je vais passer à l'auberge, j'ai perdu trop de vie. Attaquer, oui, bon, de toute façon, lui, je pense qu'il est bientôt mort. Oui, il s'est pris un critique, il est mort. C'est sûr. Oh, le coup de marteau, incroyable. Ah, merde. Foudre. Foudre. Glace. 112. Cent quarante. Exceptionnel. J'espère que j'ai au moins un perso qui est monté d'un niveau avec ça. Même pas. Trop bien. Alors où est l'auberge? Auberge. 20 gold. Commence à monter les tarifs. Même si en vrai ça coûte pas hyper cher. Mais je pense que plus tard dans le jeu, quand il va me dire c'est 500 la nuit à l'auberge. Du coup, je suppose que la grotte en fait. Ah, elle doit être là. Elle doit être ce truc là. Oui. La grotte des mystiques. Hein? Quoi? C'est tout. Mais c'est nul. Oh non, je peux pas y accéder 100%, j'ai un truc à faire. Oh non. Qu'est-ce que je peux puis bien faire? Peut-être retourner au château, peut-être qu'on va y voir le roi blessé. Allons voir ça. Allons tenter. Puis comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc bon, au pire, au point où on en est. Hein. Autant aller regarder. C'était bien la montagne au-dessus de chez Fiona, t'as un chemin. Par ici pour aller... Il vient tout juste de passer par ici pour aller voir le roi. Okay. J'étais sur le bon chemin du coup. Bah j'ai rien vu. Bah le truc c'est qu'il y avait rien donc... je veux bien que... Voilà donc... Mais général... Enfin, je veux bien que ce soit par là parce qu'effectivement ça s'appelle la grotte des mystiques. C'était ce que nous a dit le maire en disant que oui, il y a la grotte des mystiques et tout, ça me fout les boules. Cela dit, pour moi, quand j'arrive devant le truc et qu'il n'y a rien, je me dis. Je me dis que c'est pas là ou que c'est pas maintenant. Bah, c'est pas là, hein, c'est pas maintenant, hein. Le gros mur, c'est pour plus tard. Le gros mur, bah... Je fais quoi autre qu'avec le gros mur, là? Parce que je peux pas faire grand-chose de plus, hein. Bah, d'accord, je suis pas teubé.
Bah du coup c'est où? C'est là? Ah, le monde des Nadoro. D'accord. Très bien, très joli décor. Bon, c'est de l'eau mais on n'a pas on n'a pas de bruit d'eau quand on marche dedans. Je suis déçu. Ah! Qu'est-ce que... C'est lui le héros! Bah d'accord. Bah crève. Donc le héros c'est un gamin. Ah merde, j'ai peut-être un peu overkill. Ah, le niveau de chrono augmente. Cet endroit est terrible, c'est trop dangereux, fichez le camp, fuyez! Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va Apparemment c'est over... Ah, c'est pas tant overkill que ça en fait. Ouais. Oh, je l'ai cramé, incroyable. D'accord, ça reste overkill hein, le cyclone enflammé, je retiens. Si tu vas trop vite, tu risques de louper des trucs importants. Bah oui, mais... Bah je veux bien, mais bah je joue au jeu quoi, donc bon, Au bout d'un moment, d'accord, ok, mais bon, bref... Moi je suis hein Voilà, terrible. Ils sont deux. Je pense qu'il est mort. Ah non. Ah mais non, mais en fait c'est quand il avait son marteau qui prenait pas beaucoup de dégâts. Donc là, ah ouais, non, ouais, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Les machins c'est des chips en fait, ouais, ok. Incroyable. Ok. 500 G. Loupé. T'es mauvais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais... Merci. Super éther qui plus est. Très intéressant. Ah! Ah, ça va, les mobs de cette forêt n'ont pas l'air trop forts. Ça a l'air d'aller. Ça va. Ça va. C'est vrai que je pourrais faire ça. C'est quand même vachement mieux comme ça. Le niveau de marle augmente. Un nectar d'Athéna. Un amédor. Pour avoir un truc qui vaut de l'argent. Hop là, marteau cramé. Et décapité. Nice. Ouais. Qu'est-ce que... Ah ouais, d'accord, on en est là. Ok. Chrono est assez bas en vie, hein. Oh. On va peut-être se soigner là. 60... Ah ouais, 73 PV, c'est peu là quand même. Y a pas un... Genre un truc genre soin global. Non.
Je suis... Non, il n'y a pas, je suppose. Ah putain, 6. Bon, c'est pas... je vais baisser encore un peu, peut-être. Voilà. Donc non, donc il va falloir que j'y aille de moi-même. Hop, voilà. Il y a le chemin à gauche ou il y a le chemin là? Ah là, il y a un coffre. Super potion. C'est gratuit, on prend. Oh, l'arc-en-ciel! Que c'est joli. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous tire des bombes dessus. Un super éther, très bien. Oh, des oisales. Oh non, au secours, des oisales. Oh, me voilà perdu, il s'agit là d'oiseaux. Non, oh là là, ma plus grande faiblesse. Non. très bien. Je sens venir la douille du oh là là, je suis le héros, mais je suis... oh, Lucas, niveau de Lucas, non, très bien. Je sens venir le délire du fait que voilà, le héros qu'on va rencontrer, c'est un gamin qui se prend pour le héros et qui est pas vraiment le héros. Et qui en fait pue la merde. Ah, il me met des patates. Ah oh, putain. Ils sont vraiment à chier quoi. C'est les enfoirés. C'est les enfoirés, les piafs. Comprendra qui pourra. Bah les piafs, ça peut être une référence à Zelda, The Legend of Zelda. Après sinon ça peut être une référence à Hitchcock, avec le film Les Oiseaux, où les oiseaux sont de véritables dangers. Je crois que j'ai fait le lance-flamme sur le mauvais mob. C'est pas grave, il ira de toute façon sur le sol. Voilà, mort. La référence à Nullwick. Ah, en effet, d'accord. Non bah c'est bon. On se calme. Mais ça fait du dégât en plus, ces saloperies. C'est chiant. Lance-flamme sur lui. Comme ça, pue de marteau et full aggro. C'est parti. Nice. Encore. Et j'ai un peu plus. Ok, quoi. Très bien, vous l'aurez voulu. Bon, là, normalement, je peux balancer en mode auto, tranquillement, posément, calmement. Falloir faire attention à sa vie tout de même. Normalement c'est bon. Quoi? Il est pas mort? Des oiseaux Sasuke. C'est des oiseaux shinobi. Alors. Les compétences. Voilà. Alors, un coffre. 300G. Sérieux? Les oiseaux de mort, putain. Mais je vais t'apprendre le respect, en fait. Attendez. Ok, ils sont morts.
Voilà. Ok. Oula, oula, oula. Oh, le courant, en fait. Putain, j'ai du courant, en fait. D'accord. Ah ouais. Oh, attendez. There is a coffre at the left. With the super ether. That is very important. Non, mais sérieusement. Mais stop, on fout partout, juste. Ça sert à rien, quoi. C'est juste chiant. Oh putain, un moment, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là, non. Non, mais c'est... C'est vrai, j'ai pas obligé de... Je suis obligé de spammer. Ah, j'appuie juste sur les lacs, en fait. Et paf, mode auto. Non, mais putain. Aïe 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 aïe. Bon, ces deux là au moins sont morts. Celui-là est mort. Ils ont pas eu le temps de déclencher l'alerte. Je suppose qu'ils auraient déclenché l'alerte et ça ramenait des monstres. Quelqu'un a appris quelque chose, j'ai pas vu ce que c'était. Attendez une seconde, est-ce que je peux le pousser? Ah mais non, mais c'est le... Mais, what? Elles sont si belles. Vous n'abandonnez donc jamais, tenez. Bah merci beaucoup. Je me disais bien, il avait des dialogues différents à chaque fois. Incroyable, une gélule de magie. Alors attendez, est-ce que... Je veux juste vérifier un truc sur les stats. Comment je vois... Comment je peux regarder les stats? Formation peut-être. Comment je... Comment je regarde les stats d'un perso? Comment je fais? Attendez. Comment je fais? Chocolat. Bonsoir Skyfox, bienvenue. Putain, attendez, tout de même. Comment je regarde? Comment je regarde les stats? C'est où? Allô? Ah là, parfait. Non. Bah non, comment je... Bah non, pas du tout, attends. Si? Si, ok, pardon, c'est là, tout va bien. Donc je voulais voir les stats de Marl. Ouais, c'est... Ouais, d'accord, ok. Fraise, vanille. Mais calme-toi, Sky, je vais te ban. Non, c'est faux. Calmons-nous. Attends, chocolat, vanille, fraise. C'est pas Magical Doremi, une connerie du genre? La ref? Mais non, mais t'arrives et tu hurles des noms de bouffe dans le chat, dont on se calme. Révolution. N'importe quoi. Alors. du coup, je vais peut-être la prendre à... Bah, lui, ouais, non, je vais la prendre à Lucas quand même. Je vais la donner à Lucas. Faisons comme ça. Je suis parfaitement de calme, qui dit. Bien sûr. On te croit. Non, mais oui, de toute façon, il me manque la stat de magie du perso quand je prends la gélule de magie. Bah oui, je suis con. Je suis con. C'est point de sauvegarde. Point de sauvegarde. Tarta et la grenouille, c'est le nom du chapitre. Eh ben dis donc, what au chapitre. Un super éther. Putain, trop bien par contre, il régale en super éther, ça fait plaisir. Oh, une gélule de rapidité. Oh, ça c'est trop bien. Qui est le plus lent? Lucas. La vitesse c'est important dans les RPG tour par tour. Mais stop! Ah le point. Merde, j'avais pas vu. C'est cassé. J'ai de bolos. Ah le salopard! Ah le salopard, d'accord. Il y en a aucun avec une hache. Ce qui veut donc dire que je peux me... J'y vais fou le coup du coup.
No need of anything like a fire. Voilà, parfait. Je suis à bout de survie. Non bah écoute, en vrai on s'en sort bien pour l'instant, on n'a pas trop galéré, on n'a pas trop bugué. Ouais, on a bugué deux fois parce qu'on savait pas trop où aller, comment y aller, etc. Mais en vrai ça va, pour l'instant ça va, on s'en sort bien, ça se goupille bien. On a une petite heure d'enregistrement, on a 55 minutes d'enregistrement. Voilà, bon ce sera une VOD plutôt courte, hein, YouTube, voilà, la VOD fera probablement 1h50, quelque chose dans ce style. Histoire que... Oh, il se passe des trucs. Oh, il se passe des trucs, là. Duo sabre-feu. Chez. Ah, d'accord, ok. Oh, putain, j'ai eu peur. Quand j'ai lu spoiler alert, je me suis dit, bah, je vais pas lire, en fait. Qu'est-ce que tu fais, là, gamin? Je suis le vent. Ouh. Mais il est complètement con, ce gamin, mais... Arrêtez! Êtes-vous venu chercher Grand Léon? Grand Léon, vous aussi? C'est du troll. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bon, c'est des trucs optionnels. On ne les fera pas, évidemment. On va se contenter du scénar principal, pour le coup. Êtes-vous venu chercher... Oui, vas-y. Je vous attendais un instant. Qu'y a-t-il, Léon? Quoi? Oh là là, encore? Vous voulez obtenir Grand Léon et faire une réputation en tant que héros? C'est ça, c'est ridicule. Les êtres humains ne sont que des idiots. Ce qui compte, c'est pourtant la façon dont on utilise la force que l'on a. C'est parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose d'aussi évident. Attends, c'est parce qu'ils ne... Ah oui, qu'ils sont des êtres humains. Pardon, j'ai mal compris la phrase. Veuillez m'excuser. Que devrions-nous faire, grand? Les mettre à l'épreuve, bien sûr. Jouons un peu avec eux. D'accord. Ah, un boss. Bonne mort, mais non. Tout de suite. Alors attends, j'ai débloqué, inflige des dégâts double à un ennemi. Oh, trop bien. Alors par contre, oh oui, alors ça. Ouf. Sabre de glace. Ça me coûte plus cher, c'est que ça doit faire plus de dégâts. Mais ça en touche qu'un des deux. Oh, vas-y. Vas-y. Oublie que t'as aucune chance. Et... 461! Oh les dégâts! Incroyable du cul! Oh! Tout de même! Ah! Ah, donc elle est bien étourdie, donc elle a perdu son tour. D'accord, donc c'était bien ça ce qui s'était passé tout à l'heure. Okay. Ah merde! Me voilà bien baisé! Oui, alors attendez. Non. Ah voilà. Attends. Voilà. Alors attendez. Donc on avait dit sabre de glace. Et toi, du coup, tu as. Une bombe de napalm! Ah! Le niveau de. Ah bah c'est bon. Bah qu'est-ce que. Il se débrouille pas mal, hein! Vous êtes les seuls à nous avoir donné du fil à retordre depuis Cyrus. Oh. Oh bah ça va. Que devrions-nous faire? Nous allons nous battre tout... Quoi? Grand, le courage! Et Léon, la sagesse! Fusion! Nous ne font... Ah! Au secours! Très bien. Ça me vient de choper quoi. Alors, bah t'inquiète pas, il est pour fini. C'est pour fini. Vite, Cyclone Dora. Solo. Non, attends. On va plutôt utiliser un super éther sur Chrono, qui en a bien besoin.
Alors Jap l'épée s'appelle Masamune. D'accord. J'ai pas la traduction là comme ça, mais bon. Maintenant, bon. Mais non, je vais leur défoncer la gueule. Je vais leur apprendre le respect, moi, ces deux petits cons. Là, hein, oh. En vrai. Soin. Ah là 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 là. Je vais leur montrer c'est quoi le respect. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on s'en sort bien, hein. Eh. On va peut-être faire un cyclone d'aura. Ah, mais Lucas, elle a survécu avec un PV, mais what? Oh, la dingue! La super popo. Incroyable. Le sabre de glace. Tu vas rien faire du tout, mais bien sûr, évidemment. Hoi. Hoi. Cyclone d'aura. Ouais. Et toi, bah tu vas faire. Tu vas faire une bombe monopalme. Franchement, une putain de bombe au napalm, onde de vide, qu'est-ce qu'il me fait? Y'a... Ah! Alors attendez, on va vérifier. Ok, ça va, donc je peux bien faire une bombe au napalm. Non, non, mais ça va, j'ai compris le jeu maintenant, je sais jouer. Ça devrait très bien se passer, devrait pas y avoir de problème. Hop, là on va faire le sabre de feu. Toi tu vas faire aura sur toi-même. Et la prochaine fois on va faire utiliser les objets de PM. Genre là ça va être objet de PM là. On va commencer par toi. Ensuite on va faire super potion sur chrono et on va faire super éther sur toi du coup. Parce que là il va utiliser sa grosse attaque là. C'est sûr. Onde de vide, parfait. Donc je vais le laisser la faire. Bah fais là, vas-y. Ya, voilà. Cyclone d'aura. Objet super éther sur chrono. Parfait. Très bien, donc là du coup on fait le sabre de feu. On fait l'aura sur Marl. On s'en sort très très bien, on s'en sort hyper bien. Pour l'instant, nickel. Excellent. Excellent. Alors on va peut-être faire un petit cyclone d'aura là quand même. Oui, on va le faire maintenant parce que sur ce point. Moi aussi je l'ai first try ce boss. Il veut pas d'être ce fou quoi, mais meurt. Mais c'est quoi ça? Je veux que tu game over. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Bah, vas-y, fais ton truc. Voilà. Genre tu veux que je meure, Sky. Attention à toi hein. Attention. Voilà, aucun problème. Oh là là, mais on va juste le baiser en fait. On va juste le baiser. Ah, j'avais pas prévu qu'il fasse deux coups en même temps là comme ça. Il m'emmerde un peu. J'aurais dû être plus rapide. Regarde TMP Discord. Ah bah oui, bah j'ai que ça à faire. Je vais regarder juste après. Et bah voilà, je l'ai baisé. Je vais regarder vite fait, attends. Ah là là, bah voilà. Le niveau de Lucas augmente. Incroyable. Kikindi. Ha 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 ha.
Ah là 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 là, j'ai vu. J'ai vu. Je sais pas. Ah, ils nous ont vaincus. Je me suis bien amusé. Ah, je me demande si ces gens vont nous restaurer. Quoi ? Sauront-ils nous trouver un maître ? Ah bah oui. Oui, tout ira bien. Ah, et on va. We're gonna give the épée to Gren. Du coup, il va être en mode, en fait, je suis le chevalier de l'exception incroyable, exceptionnelle. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce que... C'est Grand Léon, l'épée légendaire. Cependant, elle semble avoir été brisée il y a longtemps. Vous obtenez la lame brisée de Grand Léon. Un bruit de tempête. Je vais vous faire porter par le vent jusqu'au pied de la montagne. Ah d'accord. Nous comptons sur vous. Pas de soucis. Ok. En vrai je pense qu'il le mérite. Tu penses qu'il le mérite, Sky? Est-ce que c'est à toi de le décider? Techniquement la réponse est non. Mais En vrai, PK pas. Et pourquoi pas? Je ne suis pas Zéro, je ne veux rien. Prends l'épée! Mais. Oh là là, il est chiant celui-là. Putain, mais du coup, c'est pas. Du coup, faut pas que je lui give l'épée. Comment je fais quoi du coup de cette épée de ces morts qui est complètement brisée? J'ai le droit d'avoir d'avis dessus. De quoi qu'il mérite quoi? Non, mais t'inquiète pas, Sana. Qu'est-ce que c'est que ce machin dégueulasse qui vient de passer là? Mais putain, mais encore des serpents! Pff, il casse les couilles. Ah, mais faut qu'il pop de n'importe où, c'est. C'est chiant. C'est chiant. Un bon moment que voilà. Un bon moment de gaming. J'ai quasi plus d'eau, putain. J'ai encore une heure à tenir. Ça peut migrer dans un grand monde de toute façon. C'est pas faux. Tu marques un point. Puis après, c'est vrai que... Oh, c'est vrai que globalement, ouais. Oh, allez. C'est quelqu'un de gentil, que je connais bien, qui est là très souvent sur mes streams dernièrement, bah surtout pour Chrono Trigger. Allez, tu sais quoi, Sana? Allez, faisons-le. Je sais pas comment on fait, par contre. Je sais plus. Fichtre. Nye. Je sais, attends. Je peux pas le faire directement depuis là, en fait. Faut que je le fasse depuis mon gestionnaire. Ah, oh, c'est chiant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, la vie va bien. Non, faut juste en fait que j'aille dans... t'inquiète pas, ça se fait vite fait. Ça se fait vite fait. Ah oui, mais là, il va y avoir moi en écho. Non, c'est bon. Communauté. Gestionnaire du rôle. Parfait. On va ajouter. Allez. Hop, Sana Rufi. Parfait. Eh bien, Sana, j'ai le plaisir de t'offrir le grade de VIP. Voilà, tu remercieras Sky qui a soufflé l'idée. Et voilà, c'est gratuit. C'est moins cher que gratuit. Tu fais slash VIP pseudo. Ah bah oui, mais moi je suis une vieille personne. Moi je passe par les menus et tout. Voilà. voilà, je suis une vieille personne. Hein, de mon vénérable âge de 21 ans, évidemment, je suis une personne âgée. Faut peut-être que j'aille voir cette personne-là pour l'épée. Oh, mais de rien, Sana, ça fait plaisir. Puis on va, voilà, t'es là régulièrement, tu viens m'aider, me donner un petit coup de main sur Chrono Trigger, ça fait plaisir. Et puis voilà, t'es quelqu'un de sympa. C'est gratuit, ça coûte que dalle, mon mari. Oui, mais je m'en fous de Marco. Faut savoir où je fais quoi du... Je fais quoi de ce God Miché qui me sert d'épée là actuellement? Est-ce que j'ai des auberges, j'ai des maisons? J'en fous quoi?
Que faire? Maison de Tarta. Est-ce qu'il faut que j'aille? Ah bah voilà, Tarta. Je suis désolé, c'est un homme à l'apparence de grenouille qui l'a laissé tomber à la taverne alors qu'il était saoul. Je pensais que je pourrais la revendre à prix fort en ville, mais tout le monde s'est mis à me traiter en héros. J'ai décidé de jouer le jeu. Ah bah voilà. Je ne suis pas à la hauteur, je n'ai rien d'un héros légendaire, j'en ai assez. Tenez, je vous donne la médaille. Bravo, je m'en doutais bien. J'ai si honte que je pourrais pleurer. Bah bravo, super. Je pensais que bon, c'était mon fils qui était le héros pour le bien de ma femme, qui n'est plus de ce monde. Dorénavant, mon fils et moi garderons les pieds sur terre. Il était bien content de raconter à toute la ville qu'il avait élevé le héros. Ah bah ça, c'est sûr. Ouais, il l'a bien dit. Du coup, il faut aller voir la grenouille. Maintenant, on a le médaillon et l'épée. Il va accepter, quand même. S'il accepte pas, je lui fous l'épée dans le cul. Voilà. C'est dit. On peut pas le faire, mais... C'est dit. Tiens. Vous êtes revenu. Oh, cette médaille. Je vois, vous avez donc rencontré ce jeune garçon. Toutefois, je ne peux plus rien contre Magus. Grand Léon, l'épée légendaire nécessaire pour combattre Magus, elle est... Peu importe. Mais si je le savais, mais si je l'avais, je serais indigne de la manier. C'est faux. Je ne veux pas te laisser tranquille. Qu'est-ce que... Une poignée brisée? C'est un morceau de Grand Léon. Il y a quelque chose de gravé en lettres antiques. Je crois que je peux les lire. Bosch. Donc en réalité, il ne s'agissait pas d'une épée, mais... D'une machine à laver? Mon dieu! Mais cela prend tellement de sens! Pas du tout. Bosch? Non mais putain... Merde, putain, il s'appelle Bosch, au secours quoi. Notre Bosch? Celui de Médina? Qu'est-ce que ça signifie, Chrono? Ça signifie qu'on peut faire maintenant des lessives à 60 degrés pour du coton et pour du synthétique. Quel plaisir. Il n'y a personne dans ce monde qui pourrait restaurer Grand Léon. C'est qui Bosch? Par contre. Parce que c'est bien beau de me dire « Notre Bosch !» Ouais, mais c'est qui Bosch? Parce que sinon, après, t'as les Bosch, mais les Bosch, c'est autre chose, quoi. C'est... Voilà, quoi. Like a Bosch, quoi. Comme dirait la pub qui arrête pas de passer sur YouTube ces derniers temps, qui finit un peu par m'énerver. Hein. Mais c'est qui Bosch, attendez, putain, notre Bosch. Pourquoi ça me dit rien? Et j'ai l'impression que ça dit quelque chose à tout le monde. Bosch, le lavage de haute qualité. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est toi, Bosch? Non. Est-ce que c'est toi, Bosch? Non. Non. Maison. Bonjour, êtes-vous Bosch? Pas de quoi s'inquiéter, le porteur de la médaille de mes couilles. Où que c'est qu'il est donc, ce maudit Bosch? Oh, cette phrase! Oui, ta gueule. Je cherche Bosch. Bonjour! Oui, Bosch! Ah! Ah, le maire a dit! Ah, le maire l'a dit! Ah, c'est la... Ah, c'est la grotte! Ah, d'accord! Hein? Continent de l'Est! Monsieur, si je me trompe pas. Tu lui as déjà parlé. J'ai déjà parlé à Bosch. Et du coup, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est ça, Grotte des Mystiques. Genre, maintenant, j'ai l'épée. Là, je... Non, pas du tout. Donc, très bien. Donc, en gros, c'était pas là où Manil, mais ok. Du coup, le... Ah, Marl a littéralement dit... Hein, c'est Marl. Ah, mais j'ai pas lu. Oh, putain, je suis aveugle. Je sais plus lire le chat et je sais plus lire ce qu'on dit. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment désolé. Mais en même temps, je suis allé me coucher. Je suis allé me coucher à quoi? À tard. Bah, il était 4h du mat, quoi. Et je me suis réveillé, il était 8h. Bon. Attendez. À l'est. Moche. Ah, mais c'est de l'autre côté. Ah non, l'angoisse. C'est là-bas. Oh putain, quelle angoisse. Ouais, Bosch, c'est le mec. Oui, d'accord.
Il est au village de Médina. Mais attendez, je peux m'y TP de mémoire. From memory, I can teleport myself into Medina. Tu peux y aller avec les failles, ouais, c'était bien ça. Je sais plus où est la faille. Mais j'y étais en fait. Est-ce que j'y allais? Je vais rester éveillé jusqu'à minimum 5h du mat, mais je me suis endormi et j'ai raté la. Le LVI d'introduction du Final Fantasy Festival. Ah, terrible. Ah, le live. Putain, le LVI. Oh là là. Oui. Ouais, vraiment, j'ai besoin de sommeil. Oui, mais en fait, j'aurais pu le comprendre moi-même, mais la fatigue a fait que j'ai lu LVI et je me suis dit, c'est. C'est un vrai truc, hein, LVI Homes. Ma faute là. Non, mais t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Faute de frappe, ça arrive à tout le monde. Je suis premier à qui ça arrive, hein, donc. Oui, c'est bien. Oui. Bon, très bien. Alors. Alors, du coup, c'est ici, c'est ça? Non, c'est ici. Oui. Wow. Alors, we need to parler tout boche. C'était lui, Bosch. Ah, demeure de Bosch. Oh, vous revoilà. Vous voulez encore jeter un coup d'œil à ma... Cette épée, c'est Grand Léon. Où l'avez-vous trouvé? Pourquoi votre nom est-il inscrit sur sa poignée? C'est une longue histoire. C'était pas pour me poser cette question que vous êtes venu me rendre visite, n'est-ce pas? Vous avez raison. C'est possible de la réparer. Je le pourrais si j'avais de la pierre onirique dont elle est faite. Pierre onirique? Où peut-on en obtenir? Je doute que vous ne puissiez en trouver. C'était une pierre rouge brillante autrefois plus précieuse que l'or. Mais c'était il y a très, très longtemps. Plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. Ok, donc va falloir aller en moins 65 millions. Et c'est parti. Let's go direction into the moins 65 millions d'années. Bonjour. Tout juste Auguste. Ouais, mais j'ai voilà quoi, j'ai réfléchi ça. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Voilà, de me dire où donc cela pourrait-il être. Voilà, très longtemps, mais c'était plutôt logique en fait. Ah! Ils sont tous verts et recouverts d'écailles. Mais qui sont-ils? Vas-y, full auto, je pense que... Ah, ça va. Raté. D'accord. Il n'y a plus d'eau. Me voilà fort déçu. Mon premier, quand ils ont fini, hein, moi je vis ma vie. Hein. Voilà. 370 p. Je suis plus dessus. Si, c'est bon. Encore. Ils sont trop nombreux. Et qu'allons-nous faire, Chrono?
Oh non, une cinématique. Non. Merde. Ah non. Non. Alors c'est bon. C'était archi stylé. Wouah. Archi stylé, putain. Waouh. J'avais complètement oublié qu'ils faisaient des cinématiques. Parce que je crois qu'on en a eu qu'une seule depuis le jeu, des cinématiques comme ça animées, hein. Sans compter la grosse scène d'intro avant que tu lances le jeu, quoi. Ce qu'elle est forte. Je suis plus sur le jeu. Ah c'est bon, je suis plus sur le jeu. Mais qui est-elle? Pourquoi ils nous regardent comme ça? Ah bah parce qu'on a les boulous. Ah, je vais refaire le jeu rien que pour ça. Putain, j'avoue, la cinématique, elle est incroyable, hein. Trop stylée. Bon, je suis désolé, je vous ai un peu coupé le début parce que j'étais pas prêt. Et du coup, il a fallu que je configure la scène sans interface pour que vous ayez la cinématique au plus pur. Hein ? Nous dormons ! Mais que se passe-t-il ? Ça devient dangereux, là, ce qui se passe. Attendez. Ça devient monstrueusement dangereux. Bonbon à palme. Ok. Eh ben dis donc. Niveau de chrono augmente. Oh! Soin! What a plaisir! Qu'est-ce qu'elle nous veut? Ah! Chrono! Toi être fort, toi t'appeler comment? Chrono, hein? Joli nom! Moi? C'est très bien. Ayla. Moi, Ayla. Ayla est mes hommes forts. Ayla est mes Chrono. D'accord. Écarte-toi, Chrono! Tu as une admiratrice musclée, Chrono! Vous être tous forts, elle a aimé homme fort et femme forte. Ah, d'accord. Je ne suis pas intéressé. Vous venir d'où? Comment pourrions-nous te l'expliquer? Non, d'après, après, 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 demain. Une explication rationnelle. Tu vas l'apprécier. Ah bah ça a l'air d'être un perso aggro donc en vrai. Ah ah ah, vous êtes drôle. Ayla est méchant drôle. Putain. Nous n'y arriverons pas. Vous venir village, festin de bienvenue, boire, danser, s'amuser. Nous aimerons vraiment t'accompagner mais nous sommes à la recherche d'une pierre onirique. Pierre partout là-bas. Ici, village. Si vouloir pierre, Ayla donnez beaucoup de pierres. Chrono suivra Ayla. Yoka par ici, ça doit être le nom du village. Yoka. Après. Oui. Oui, bah je. Oui, nous te suivrons. Un coffre. Oh, je prends le coffre. Une bague de berserk. Oh, du dégât. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Mais what the fuck? Si tu avais Robin dans la bande, t'aurais eu un dialogue marrant entre eux. Ouais, je suppose. Mais c'est des trucs que je peux pas prévoir parce que forcément, bah voilà, je découvre donc. Donc elle a débloqué le soin. Rend beaucoup de PV à un allié. Ah oui, donc c'est le. Ok, donc c'est le plus plus. Ça rend beaucoup. Ça rend combien? Ah oui! Ah oui! Ça rend une belle quantité! On peut pas tantôt s'épier. Eh oui, malheureusement. C'est pour ça que chaque. Je suppose, pardon. Let's play du jeu est différent.
Et que donc du coup certaines personnes ont du coup certaines interactions. Et je suppose aussi que c'est ça qui fait que le jeu a une grosse rejouabilité. C'est que j'imagine que t'as plein d'interactions, t'as plein de manières peut-être de finir le jeu. Bah oui, il y a plusieurs fins, on l'a vu. Mais peut-être plusieurs moyens d'accéder à diverses fins. Bon, cela dit, moi je vais le faire évidemment en une seule fois, je le referai pas en plusieurs fois, j'ai pas que ça à faire non plus, et moi je me dis déjà c'est bien de faire le jeu une fois, me dire j'ai fait le jeu, je connais le jeu, j'ai joué à ce jeu, c'est trop cool. Marl, et en plus de ça, ça, parfait, ma culture vidéoludique, et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Oh. Où est le village ? Jungle. Ah, village. La place d'Yoka. Festin, pas être encore prêt, vous attendre. D'accord. Tente du chef. Ah. Chrono, nul bientôt tombé. J'ai besoin de sommeil. Nuit bientôt tombée, Festin être prêt, Chrono suivre Ayla. D'accord. Tout le monde écoutez Ayla, voici nouveaux amis. Homme fort, Chrono. Et aussi Marl et Lucas. Ouga. Putain de merde. Maintenant, dansez Bobonga. Je danse comme eux, moi j'ai rien à foutre. Quel plaisir. Ah d'accord. Chrono, boire, manger, chanter, danser. D'accord. Parce que là je vais danser. Je danse. Regardez, je danse. Wouhou. Amusons-nous. Nous voilà dans de beaux draps. Mais non. Vous exagérez. Ah, elle a organisé festin pour étrangers, qui n'ont pas comprendre. D'accord. Va vouloir transmettre musique à enfants et enfants des enfants très très lointains. Oui, Chrono Trigger, bonsoir, Okaminke69, bienvenue. Ah mais oui, tu étais là hier soir sur le stream Yu-Gi-Oh! Bah écoute, bienvenue à toi. Bah écoute, ça te permet de voir du contenu que je fais plus régulièrement, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo. Voilà. Original. Voilà. ça me fait penser, il y a une scène drôle ici de mémoire. D'accord. Que faire? Que faire? Ça. Non. Chrono goûter, soupe spéciale de grains écrasés, miam miam. Ayla combattre saurien. Azara être chef des sauriens, très intelligent. Un concours de boissons. Un concours de boissons. Oh putain. Tribu de casse se battre, sinon joindre tribu de Laruba. Ayla pas savoir où Laruba être. Laruba toujours fuir saurien. Azara vouloir détruire Yoka et Laruba. Mais Ayla pas abandonné. Si Ayla être vivante, Ayla combattre. Bon. Aujourd'hui, Ayla rencontrer Kono, jour heureux, boire, manger, danser, tout ça. D'accord. Ouais. Je dois parler à quelqu'un, je dois faire un truc, je dois... C'est bizarre, mais je me sens... Je veux danser aussi. Hein? D'accord. Miam Chrono, goûte zit aussi. Qu'est-ce que... Allez, sois un homme, avale tout d'une traite. Qu'est-ce que... Burp. Ah oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai fini à 100%, je m'en lasse pas, quel kiff. Ah bah écoute, voilà. Ça fait plaisir, voilà, de voir des gens qui aiment le jeu venir, c'est cool. Moi je connais pas, enfin je connais pas. Je découvre. J'en suis à mon troisième épisode, si jamais tu veux voir... Okaminke69, les deux premiers épisodes de cette série sur Chrono Trigger, tu peux rejoindre ma chaîne YouTube dont le lien se trouve juste en dessous du lecteur Twitch. Tu as le lien sur YouTube, le lien vers mon Discord aussi, le lien vers mon Twitter. Tu as tout ce qu'il faut. Allez, vas-y, je rebois.
Point.yt, qu'est-ce donc? Hashtag alcool. Un légendaire, etc. Tu vas kiffer. Ah bah moi j'ai hâte. Hein. Moi j'aime les jeux vidéo. J'aime les RPG. Depuis que j'ai joué à Dragon Quest 9, ça y est, enfin à Dragon Quest 8. Ah! Ah, un concours de danse. Ok. Encore. voilà. Sachant que pour ceux qui connaissent pas mon passif avec les JRPG, je n'aimais pas ça avant. Je n'aimais pas les JRPG avant. Et ensuite, pendant le confinement, j'ai découvert la démo de Dragon Quest 11 sur Switch. J'ai adoré. J'ai du coup fait Dragon Quest 8 sur PS2. J'ai surkiffé. J'ai ensuite acheté Dragon Quest 11 que j'ai fini, que j'ai surkiffé. C'est mon Dragon Quest préféré. J'ai ensuite fait Dragon Quest 9 en stream que j'ai adoré. Là, je suis en train de faire Chrono Trigger et je suis en train de passer un très bon moment. Donc, faut que je le fasse avec YXRBBLB. C'est le Just Dance avant l'heure. Ok. Donc apparemment on peut encore boire. Allez vas-y. Ah si Chrono peut finir bourré, ce serait drôle quand même. Ah là là là. Bon, par contre, moi je pense que c'est la dernière fois que je bois et maintenant je vais parler à Ella. Allez, une dernière fois. Parce que si ça se trouve, il va se passer un truc, mais j'y crois pas trop. Si là il se passe rien, hop, je vais parler à Ella. Attention, 3, 2, 1. Il s'est rien passé. Très bien. Ah merde! Ah bah voilà! Pierre rouge, être très rare, preuve de force. Ayla, être plus forte du cas, alors allez avoir pierre rouge. Si Chrono battre Ayla, Ayla donner pierre rouge à Chrono. Oui! Apporter beaucoup de soupe. Hein? Aujourd'hui, festin. Alors, défi de soupe, Chrono essaye de manger plus que Ayla. Ah! Ah, c'était là! D'accord, ok. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton A. Vous voulez dire qu'il faut mâcher? Mais vous parlez à un professionnel du mâchage. Ah, ah. Vive les jeux vidéo. Ah. Allez, vas-y. Je suis raide mort, putain. Oh, incroyable. J'ai mal au ventre, qu'est-ce que tu dis? J'ai rien fait de tel, c'était pas vrai. Ah putain, ils ont vraiment fini complètement bourrés, quoi. J'ai tout de même l'estomac à l'envers. Bah oui, non, mais... Il est complètement rebou. Bonjour Chrono, c'est bien amusé hier soir, hein. C'est quoi ces empreintes? Elle a disparu! On a volé la clé stabilisatrice. Ah! Ah! Ah oui, donc on peut plus vraiment voyager dans le temps, c'est compliqué ça. Les empreintes doivent être celles du voleur. Dans le cas, nous devrons rester ici pour toujours. La situation est sérieuse, allons parler à Ayla. Si on sait où elle est. Ah, elle dort. Oh, Chrono réveillé. Ah, Sana qui met les bonnes refs. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Après celle-là, j'arrête de boire. J'ai oublié. Mais ça fait longtemps, mais trop bien. C'est Trio, le nom du groupe. De mémoire. Je sais plus, mais je crois que c'est Trio. Mais j'adore cette chanson. Tonto Pierre bleu. Nous sommes désolés de t'avoir réveillé, mais on dirait qu'un objet précieux nous était volé pendant notre sommeil. Quoi? Saurien, allez à être certaine, bleu. Faute des sauriens, Chrono veut venir avec Ayla. Qui venir avec Chrono et Ayla? Eh bien, écoute-moi bien, Ayla. En fait, j'aimerais bien voir tes compétences.
Bah, je ne le saurai jamais, donc je vais choisir Marl. Voilà. Les autres, peut-être voir voleur. Chrono, elle est demandée bleu. Je préfère garder mon healer, en vrai. Alors. Vous savoir, dinosaure, avoir peur de foudre. Oh. Vous voulez troquer? Pas d'objet, pas de troc. D'accord. Trouver pétale. Ok. Ici, tente, pourra changer plein d'objets. Veste de rubis, résister feu, pas brûler, comporter. Ah! D'accord. Alors, ici, est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il se passe des trucs? Non. Est-ce qu'on peut suivre les traces? Bah, les traces, en vrai, elles viennent de là. Attends, elles viennent de là et elles vont... Là. D'accord. là. Alors, bonjour. Vous avez vu un truc? On va voir Saurien sortir de place Dioka, aller vers jungle au sud. Ah, merci bien. C'est parti pour la jungle. Kino, quoi faire ici? Quoi arriver, Kino? Kino, être désolé, elle est là. Kino, voler objet de Chrono. Mais non! Pourquoi voler? Kino aimait elle la meilleure. Elle a dire aimait Chrono. Alors Kino... Kilo malheureux. Oh putain, mais d'accord. Ah, du calme, Ayla. Kino comprend pourquoi Ayla a frappé Kino. Ayla pas aimé Kino. Non, Ayla a aimé Kino meilleur. Mais Ayla pas aimé mauvaise action, pas bien. Kino être désolé, Ayla. Kino être désolé, Chrono. Kino rendre objet précieux à Chrono. Kino plus avoir sans rien voler. Sans rien aller où? Jungle. Ayla, aller chercher objet précieux avec Chrono. Kino rentrer et protéger village. D'accord, Ayla. Et c'est parti. Ah, Kino être homme, si Ayla mourir, Kino devenir chef. Bon, suivre sans rien, retrouver objet précieux de Chrono. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Ah, les coffres ressemblent à ça. D'accord. Kike. Oh, mais direct de l'agression, quoi. Qu'est-ce que... D'accord, il m'a fait une attaque vol. Qu'est-ce qu'il fait? Il chie du feu. Il a une diarrhée explosive. Putain, c'est des oiseaux avec des diarrhées explosives. Ah non, non, faut que j'arrête parce que là je vais mourir. Je suis trop con. Genre vénère. Ok, donc c'est bien le réveil de d'Athéna qui donne... Ok. Putain, mais quel abruti je fais, par contre. Ça, je fais le cul. Ah bah là, clairement. Hein. Les mecs, ils ont mangé mexicain. Ah, elle a rien en solo, d'accord. Foudre! Incroyable. Et le cul en feu, c'est dingue. Nectar d'Athéna, ah nice, il est remboursé. Bon, c'est bien. Mais tu avances? Mais... Putain. Des fois, il se bloque sur du rien, ça m'énerve. Coffre. Nectar d'Athéna, nice. Non mais, gauche. Mais calme-toi. Mais bon, je suis allé le chercher, le coffre. T'as oublié un coffre. Oh, mais ça va, c'est bon. Je vais pas m'amuser à aller ramasser tous les coffres. Calmez-vous, là, c'est bon. Oh,
con. Non mais putain. Et puis on le dit avec moins de véhémence. Si on me dit que j'ai oublié un coffre. Non mais où? N'importe quoi. Ah là là là. Non mais ça va, t'inquiète. Mais oui, avec moins de véhémence la prochaine fois. J'ai appris braiser comme le poulet. Bon, je vais quand même aller chercher ce coffre. Allez. Mais non, mais c'est bon, je l'ai récupéré en plus. Mais en plus, je l'ai récupéré. Et voilà. Bon, bah super. Donc c'était vraiment celui que j'ai récupéré là en plus, voilà. Rajeva. Mais ça n'a rien à voir. Ah bah tiens, tente. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui me fais engueuler, c'est moi le rageux. Bravo. Bravo le veau. Au-dessus. Ah oui, là, d'accord. Oh, tant pis. Trop loin. Oh, mais oui, ils sont trop nombreux. Ah mais je l'ai vu du coup, c'est bon. Mais le boulet, c'est moi le boulet dans l'histoire. Il me dit à gauche, moi je vais à gauche, hein. À gauche, j'ai récupéré le coffre. C'était en haut à gauche. Et na. Ah. Allez. Allez, décède. Espèce d'espèce éteinte. Voilà. On se demande pourquoi les dinosaures ont disparu. C'est pas la faute d'un météore, c'est juste à la faute d'un petit con qui a voyagé dans le temps et qui les a tous butés en fait. Ce serait très drôle si c'était la vraie raison. Vous imaginez toutes ces théories autour des dinosaures? Non, mais c'est une météorite qui les a tués. Suite, il y a eu un hiver volcanique. Alors qu'en fait, la vérité, c'est juste Jean-Michemuche qui a inventé la machine à voyager dans le temps. Et il s'est fait plaisir. Tu es exterminé. Le pire, c'est que c'est vrai. Bah, en même temps, Imagro, bon, bah, je vais me défendre. Pourquoi il a fait 312? Je vais faire un coup foudroyant, tiens. Stylé. Avant le 4, t'as modifié le futur. Bah techniquement oui, hein, quand je vais dans le passé. Enfin non. Non, si on prenait la logique, là en fait je serais techniquement dans une dimension temporelle parallèle dans laquelle je voyage dans le temps. Et je pas du tout en fait dans le passé de la temporalité d'où je viens de base. Non, bon, les voyages dans le temps, c'est compliqué de toute façon. Aïe 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 aïe. Bon, par contre, je suis un peu. Ah, un coffre. Une super popo. C'était par là en fait, d'accord. Très bien. Non, mais je troll. Non, mais j'imagine bien que le jeu à un moment il va pas mettre. Ah non, mais tu as exterminé toute cette espèce de dinosaure, du coup, oh là là. Tu as créé un paradoxe temporel. Non, bah non. En vrai, ce serait très drôle. Ce serait très drôle que Ayla soit genre mon arrière, 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 arrière. Arrière, 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 grand-mère. Voilà, ce serait drôle. J'ai pas compté, je sais pas combien j'en ai dit derrière. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez créé un paradoxe temporel. C'est le game over de... C'est le game over de Metal Gear Solid 3, ça. Je crois. J'ai fait le tour. Mais vraiment. Et je me fais aggro en plus. Oh, j'en peux plus. Attends, vas-y, soigne un petit coup là, il y a besoin. Aïe aïe aïe. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais. You created a time paradox. Snake. Jamais joué au Metal Gear Solid. Enfin, c'est un petit peu au 1.
Parce que je l'ai sur PlayStation. J'ai le 2 aussi sur PlayStation. En vrai, je pourrais me les faire. Jamais joué, jamais vraiment poussé un Metal Gear Solid, donc en vrai. Oh. À voir. Alors, pas, alors, je dis pas ça pour un truc à faire en stream, attention. Hein. J'ai jamais joué non plus, mais je connais la rêve du paradoxe. C'est connu, faut dire. Bah, beaucoup de rêves de Metal Gear Solid sont hyper connus. Hein. Pour le coup, donc, ouais, ouais. T'as un Metal Gear où si tu tues un ennemi sans s'être vu dans les épisodes se passant après chronologiquement, t'as un Game Over spécial où on te crie dessus parce que t'as désingué la temporalité. Ah oui, d'accord, mais c'est pas parce que Snake voyage dans le temps, c'est juste parce que par rapport au jeu... Oh, c'est rigolo, ça. Bah, bien vu, Kojima, bien vu. Bien vu, tu me surprendras toujours. Par contre, je vais où, là, parce que... Faut que j'aille là, mais c'est de là d'où je viens, en plus. Je vais péter un plomb. C'est du génie, en vrai. Bah, en vrai c'est très drôle. C'est très bien pensé, donc... Attendez, les traces vont dans ce sens-là. On va suivre les traces. Ah là ! Ah non, c'est un coffre. Un panaché. Attends, c'était en bas ? Trop bien ! C'est devenu culte. Ah bah oui, évidemment. Oh non, il y a encore plein de méchants. Je tombe dans le trou. Rien à foutre. Mais il se calme. Oh non, va falloir choisir le bon trou, c'est ça. Mais non, mais je voulais pas les affronter. Il est déjà cette heure là. Oh non, mais en plus ça va être... Oh non, ça va être chiant. Il faisait un truc un peu sale. Je sais pas ce qu'il faisait en fait. Mais il faisait du bruit. Ça c'est sûr. Oh, il est mort. Bon allez, faut crever un jour. Merci. Hop là! Ah! Un gros monstre. Que j'ai pas le choix d'affronter, d'accord. Même si je le touche pas. Même si je suis à l'autre bout de la planète de lui. Eh bien, il m'attaquera. Parce que... Bien fait de commencer un donjon alors que j'aimerais bien finir d'ici quelques minutes. On va faire un sabre de glace. Ah mais c'est vrai que maintenant j'ai le combo au sabre de glace techniquement. Ah oui, mais sabre de glace ça ne touche qu'une seule personne. Je dirais pas de mots, mais t'as compris de quoi je parlais je pense. Ah bah oui mais bon, j'ai pas très bien vu en quoi mais d'accord. Mais on va dire que d'accord. Par contre il faut crever monsieur là. Mais attends, non mais attends. Merci. Alors. On tombe dans le trou. C'est terrible, on s'enfonce de plus en plus dans la caverne. Oh non, mais putain, mais sérieux ! Ah merde, j'ai un problème de PM. Je n'ai plus de problème de PM. Oh parfait. Oh parfait, ils vont tous prendre cher. Et Chrono a plus beaucoup de vie. Il va peut-être falloir le soigner. Oh putain, oui. Non. Je refuse. Nice.
Eh mais le soin, ça rend masse de vie. C'est incroyable. Oh, mais vite. Oh, c'est long. Oh. Nice. Ok. Niveau de chrono augmente. Niveau de marle augmente, c'est incroyable. Mais... Oh non, sérieux. Mais putain, j'avais pas... Si j'avais su... Si j'eus su... Ah, je pensais que je pouvais passer derrière lui pour récupérer le coffre en 12 pi. Mais non. Ça ne sera pas aussi simple pour celui-là. Je vais peut-être plutôt faire des sorts en fait. Hein. Parce que le glace, ça a fait beaucoup de dégâts, je crois. Ouais, 210 quand même. 44. Donc on va faire foudre. Hein. On va faire foudre. Foudre. 167. Incroyable. Et le coffre, il était intéressant. Un mig. Oui. Mais du coup j'ai ouvert le coffre là. Allô? Allô? Mais je vais où maintenant? Ah. Ah bah oui d'accord, oui bah oui la grotte d'où venait le mec en fait. Non! Mais putain mais je vous ai jamais aggro de ma vie! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça sort d'où? Jamais j'ai agressé ce gars! C'est lui qui m'agresse quoi! En plus, il a 1 milliard de PV, quoi. Merci. Non, mais l'agression, quoi. Rien ne va. Mais je me... Putain, sérieux, mais arrêtez! Laissez-moi aller me coucher! Nom d'un fion ancestral! Oh, putain! Qu'est-ce que tu... Mais putain, d'accord. En fait, il attrape des trucs pour les balancer sur les autres. C'est très drôle. Oh, le crit. Oh, le critique. Les champignons font pas grand-chose, apparemment. Elle augmente. Le niveau d'Aila augmente. Oh, dis-moi que c'est par là. Alors, je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, dis-moi que c'est par là. Ça m'a ramené au début de la grotte. Écoutez. Je vous propose que nous nous arrêtions là pour aujourd'hui. Et je pense que c'est pas mal. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce stream. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Non, on va dire au revoir à YouTube et je vais dire au revoir à Twitch en monnaie du forme. Je sais pas, vous inquiétez pas. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire, évidemment, à partager la vidéo. Voili voilou. Du coup, YouTube, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de Chrono Trigger. D'ici là, porte-toi bien. Passe une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Tout ce que tu veux, que ta vie se porte au mieux possible. Des bisous YouTube, au revoir.